Salut YouTube, voilà c'est bon, c'est toi, on peut vraiment y aller. Plein de choses ont changé, notamment le fait que ma sauvegarde a été corrompue. On a essayé vite fait, en une heure de stream, de tout rétablir, enfin de rétablir une grosse partie. Il y a énormément de choses qui manquent, donc notamment mon armure, notamment mes skills, donc je suis actuellement niveau 1. J'ai fini pour avoir déferlement, attendez, pour avoir déferlement, j'ai impulsion, j'ai un autre mode qui a rajouté ceci. Donc c'est un plaisir. Du coup j'ai ce qu'il faut, on va dire que je suis à peu près équipé, on va faire 2-3 quêtes dans Blancherive histoire de relever le bain coup. Et voilà, tranquille. On va faire en fait par la quête la plus basique. C'est leur quête. Une femme qui ne vient pas d'ici. Je ne pense pas qu'elle... Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorik. En fait c'est Sadia, on avait fait ça tout comment, la dernière fois, Pekka. Je sais où elle est, je sais ce qu'il faut faire après. On va les buter, attends. On va juste faire aussi sa quête à elle. La vie est déjà bien assez dure comme ça. Avec... Il y a ce... Je l'ai entendu se vanter à la... Je sais me débrouiller. Très tôt dans la vie, il y a ce barde. Je l'ai entendu se vanter à la jument pavot. Essayez si vous voulez. Cela dit, je ne suis pas sûr que vos propos arrivent jusqu'à son crâne creux. Pardon. Ah oui, à toi aussi. Tout ce que j'ai, c'est guerrier né. Ils sont de mèche avec les impériaux. Ils sont au courant de tout, mais ils me mentent sans vergogne. Comment pouvez-vous avoir la certitude que votre fils est toujours en vie? Je le sais, c'est tout. Je le sens au fond de mon cœur. Vous devez me croire. S'il vous plaît, passez me voir chez moi. Je vous raconterai toute l'histoire. Pas de souci, on verra ça après. Là, on va les tabasser du barde. Merci. Oui, on refait certaines quêtes qu'on avait fait avant. Pas d'applaudissements. Que dites-vous? Une autre chanson? Oui. Si c'est une... C'est Carlotta qui vous envoie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Allez, voyons ce que vous avez dans le ventre. Attrapez-le! Ah, pense. Ben voilà. Je disais, je prenais pas de dégâts. Ouais, ouais. Vous savez vous battre. Allez, il est pas si costaud. Vous avez gagné. Je jure sur mon honneur. Ouais, ouais, bah les couilles. Voilà, qu'il le faut. Hein. Ah bah complètement. La patate dans sa bouche. Comment vas-tu, Yolsivas? Oui, c'est Carlotta. Ils sont mûrs. Vraiment? Je remercierai bien les dieux. Mais je... Oh bah écoute, ça aurait été très cool si... Voici quelques pièces. Si la mage qui a eu lieu le 13, dites-moi ce que vous voulez, depuis quand ou asseyez-vous près du feu. Oui, le 13 du coup, n'avait pas fait corrompre ma sauvegarde de Skyrim et m'a pas fait refaire l'intégralité de ce qui a été fait, en tout cas dans les grandes lignes, durant les 3 derniers lives, donc c'est un plaisir. Et demain c'est les vacances, ah bah c'est nice ça. Quel plaisir, le voleur de vertu. Oh, je m'y attendais, ouais ouais, bah moi je m'y attendais pas. Du coup, 8 heures dans le cul. Je suis heureux. Honnêtement, je suis heureux. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à couper du bois pour les feux. Il va appeler sa fille. Attends, non. Du coup, gros somme. Ah. Je peux vous aider? Sadia. Ça ne fait pas peur. Mais ces histoires de dragons. C'est vrai? Oh non. Ils m'ont trouvé. J'ai besoin de votre aide. Je vous en prie, venez avec moi. J'aimerais vous parler en privé. Bah, pas de soucis, Sadia. Je te suis. Donc, on va faire sa quête. Tous paresseux et indisciplinés. Il faut que ça change. Ouais, ouais. Ah putain, j'ai envie de dormir, j'ai soif, j'ai faim. On la suit. Hein. Je suis ça à dire. Hein. Y'a pas de soucis. Hein. De toute façon, si jamais ça plaît pas, patate dans la bouche. Alors vous travaillez pour eux. Vous croyez pouvoir poser la main sur moi?
Que voulez-vous, jolie? Les Alikir savent donc où me trouver. Elle me menace, elle me drague dans la foulée. Combien sont-ils? La scène se passe comment, sous les yeux de sa mère. Dans ce cas, j'ai besoin d'aide. Et je ne peux faire confiance à personne dans cette ville. Les habitants de Blanche Rive se trompent sur moi. Mon vrai nom est Iman. Je suis issue de la noble famille Suda de l'Enclume. Les hommes qui sont à ma recherche, les Alikir, sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri. Mon sang pour... Vous devez les retrouver. On s'en rappelle. Je n'ose pas me montrer. On m'a dit que... Je vous en prie. Je sais que ce que je vous demande... Je vais parler aux Alikir, et je vais dire où elles se trouvent, et je vais... Venez me trouver dès que les Alikir auront été éliminés. Mais calme-toi. Hein? Je vais vous tailler en plaie. Bon, les Alikir. Wesh! T'as Rorikbourg! Bon, bah, on va y aller. On va y aller à pied. Mais c'est le fun. Bon, oui, j'ai plus de cheval, du coup. J'ai pas de base. Hein. J'ai besoin de dormir. Peut-être aller dormir avant. Peut-être aller dormir avant, j'irai acheter des provisions et on ira. J'ai de quoi construire ma tente, au pire. Très bien. La gamine qui va venir, normalement, là. Parti pour la balade. Ah, bon. Donc elle dort. Lucia. Papa. Waouh. Viens. Merci. Lydia, elle va rester, mais... Elle va rester tranquillou. Bilou à la maison pendant un temps, je pense. On va dormir 4 heures, allez. C'est honnête, 4 heures. C'est mieux que 2. C'est mieux que 3. Vous vous réveillez en plateforme, la preuve. Aïe, t'as la porte dans la gueule. Et du coup, oh oui, attends. Ça. J'ai mis ça dans l'inventaire, c'est parfait. Réveillez trop. Du mat. Tiens, ma fille, une pomme. Ah bah, c'est comme ça que j'élèverai mes gosses. Hein. Eh bah, dis donc. Bah ouais, c'est un temps d'hiver. Attends, Jenassa, c'est ça, Jenassa? Brella, une sage décision. Passez devant, je vous suivrai. Venez voir mon grand choix de viande de qualité. Oh attends, y'en a un qui a dit qu'il y a de la viande. Ah mais tu l'as pas cuite. Que voulez-vous? Regardez donc. Alors peut-être de la ristourne vu que je l'ai aidé à... Ouh, du beurre. Des poireaux, de la pomme. De la soupe aux croûtons, marre du poisson et du poulet. Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak. Régime poule fromage. Quasiment sûr que ça est c'est sain ça. De toute façon, c'est ce que font les gosses quand ils sont petits, ils pleurent à 3h du matin. Tiens papa, une pêche. C'est vrai. Donc au pire, c'est un retour à l'envoyeur. Quel enfer. Épée, bouclier, arc. Soin. Ne vous éloignez pas trop. T'inquiète, je compte pas m'éloigner. Hein. Toi, t'as besoin d'une cape quand même. Hein. Que je veux pas dire, mais Sakai dort. Sakai, c'est mort. Attends, où est-ce que je peux faire la cape déjà? Ici. Faut des morceaux de lin. Pas. Ou du cuir. Wesh, dame. J'ai des articles de. Ça y est, j'en peux plus. À peu près tout ce qu'il vous faut. Attends, j'ai vu qu'il y avait besoin de ça pour quelque chose. On va en prendre 3. Tiens. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merde, je suis con. Attends, je peux faire. Ouais. T'es où? Gear. Enable outfit management. Attention, Peggy 18, bien sûr, pendant 2 secondes. Oh mon dieu, des sous-vêtements! Ça suffit à émoustiller la plupart d'entre eux. Parfait. T'as quoi dans ton inventaire? Ah ouais.
Ah oui, ok, t'as quand même un surin bien vénère. Par contre, j'avoue que ma tante, elle a qu'une seule couchette. Peut-être pas la bonne idée. Par contre, je peux en faire une double couchette. Ah, voilà. Oh, je peux faire une triple couchette. Hein. On verra par la suite. Hein. Ok, je suis de retour. Pas de soucis, BPX. Comment vas-tu ? Tout à l'heure, du coup. Bande de cuir. Ah, j'ai. Faudra que je vois pour me faire ça en off. Hein. Ouais, parce que ça va être un enfer basse. Yo. On va tester le matos de tente à l'extérieur de Blanche Rive, histoire de pas se faire casser la gueule. Oui. T'en fais pas, je vais pas te hurler dessus. Je ne pense pas t'avoir hurlé dessus depuis le début là. C'est juste que je préviens. Que... J'imagine que ça peut être compliqué si on me dit fais ci, fais ça en permanence. Pas un problème, hein. Tu peux pas tout savoir non plus. Test. Build fire. Il va jamais hurler dessus, on est d'accord. Et en plus il commence à flotter donc. Très bien ici. Facing spot. Oh, je savais pas que je pouvais faire. Exit. Use. Pas de bois. Bien sûr que j'ai pas de bois. Putain, fait chier. Tu peux attendre. Tu peux surveiller le campement, ça te dérange pas. C'est juste pour RP. Hein. Je vais chercher. Ah bah tu sors alors qu'il flotte toi. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais aller chercher du bois très rapidement. On va boire un peu au passage. On va prendre du bois mort. Ça va, Genasa, elle cherche un peu à côté. Du coup, faut que je reconfigure mes modes dans la foulée. Parce que Wet and Cold, par exemple, je suis quasiment sûr qu'ils ne fonctionnent pas correctement. Parce que normalement, ils sont censés se couvrir la tête, les PNJ. Pas ce qu'ils font. Et j'essaie de courir, obligé. Campfire, use. Voilà. Voilà. Et du bois, ça j'en avais récupéré tout à l'heure. Et un peu de dédoute. Ça, j'en ai pour un peu plus longtemps. Là, du coup, je vais voir pour faire de la popote. On est je sais plus quoi. On va juste attendre que la pluie passe. Hein. Bon bah écoute, plus light. Ah ouais, c'est. Follow me. Hein. Je serai comme votre. Pas de soucis. On va dormir du coup. On va dormir, on n'a pas le choix. Hein. C'est vrai que j'aurais pu dormir à la maison au lieu de camper à l'extérieur, mais. T'as pas tant de temps de camper. Ah sérieux, il flotte toujours. Quel temps de merde. Lie down. On va s'allonger. Hein. On va attendre. Ah les pieds ils sont dégueulasses. Bon, on va partir quand il fait nuit. Follow me dans le lit. Alors non, c'est pour lui dire de continuer à me suivre si jamais je bouge. Faut que je m'augmente ma magie de feu absolument. Nous sommes semblables, vous et moi. Je suis heureuse d'avoir fait votre rencontre. Oh, c'est gentil.
Je peux vous aider. Et moi, je vois un peu en noir et blanc là. Sympa ton mode Bretagne, ouais, complètement. Bah écoute, on va dormir jusqu'au matin. Oui, c'est charmante demoiselle. C'est Genasa, c'est une mercenaire que j'ai engagée pour le coup. Parce que déjà en plus, par la suite. Ah, yes. J'ai arrêté. Et par la suite, du coup, bah en fait, je suis quitte de la payer. Je suis quitte de la payer. Et de deux, ça fait du bien de prendre des autres followers de temps en temps. Oi. Et pas que. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que je peux aller. Ouais. On va y aller à pied du coup, mais je vais. Je vais vraiment prendre un cheval. Non, elle me suit pas. J'ai pas installé le mode pour qu'elle soit une followuse. Yo mec, yo Oxyd, comment vas-tu en cette fin d'année? Ah, faut que je bois, faut que je mange. Merde, enfin. Comme dans la vraie vie après. Quel enfer. Nickel et toi? Bah, ça va bien. J'ai juste ma sauvegarde de Skyrim qui a été corrompue, bien sûr, à cause d'une mise à jour. On aime bien. J'ai enfin une tour qui marche. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Au moins, du coup, tu pourras faire ce que t'as à faire dessus. Ça c'est bien. Ça fait plaisir. En vrai, ça change la vie. D'avoir du matos qui fonctionne et qui est stable, ça change complètement la vie, on est d'accord. Oh, l'enfer. Bon. ATP. Bon. Tourne à gauche, merci. Juste prendre le petit pont de découverte de lieu. Le point de lieu, ouais. Allez. Bon, merci. Ça se passe le marathon de speedrun. Ah, j'aimerais que ça se passe bien. En vrai, ça va, ça se passe bien. On est au 14e jour, il nous reste que 3 jours après celui-ci. Et honnêtement, avec tous les problèmes qu'il y a eu en cours de stream, en vrai, depuis le début du mois, c'est un plaisir. Ça m'a fait découvrir des trucs, au moins. Et à quel point je peux être... déterminé, on va dire, à faire des choses. Mais putain, je te promets que le stream de 5h hier, je l'ai senti passer. Quand je me suis réveillé ce matin... Ouais, bon, ça va là, pour le coup, Skyrim s'est passé à peu près crème. On a juste speedrun pendant une heure la chose. Et on va dire, surtout que c'est sur 3 levels au total de Crash Bandicoot. Je te promets, j'ai jamais autant tryhard de ma vie. Hein. Là, c'était un gros plus. A plus, Yossivas, bon appétit à toi. Merci d'être passé, peut-être à plus tard. Alors oui. Prendre. Casse. Bon. Yes. Eh, tue pas le cheval, c'est pas le mien. Je trace un peu comme un bourrin là. C'est pour rattraper le temps perdu et faire des quêtes que j'aurais dû faire. Hein. Dans tous les cas. Je m'en rappelais plus. Oula, lui, je m'en rappelais plus non plus. Cassos. Je bois. Cassos. Et lui, par contre, il... Ouais, bah, ils sont deux. Oh merde. Ouais. Et le speedolon là-bas. Oula. Ok. J'ai eu. J'ai pas eu. Oh putain. Quel enfer. J'ai pas une followeuse de base, moi. Là, je me demande où elle est. Putain, elle est là-bas. Mais tu peux traverser. Tu sais, l'eau, ça mouille juste, hein. Regarde.
Alors, on fait avec. Alors, le cheval, je sais pas ce qu'il a, mais... Ah, c'est parfait. Et on l'achève. Quel enfer. On prend la peau et on se casse. Je vais remplir l'eau de ma gourde après, parce que sinon je vais crever de soif, ça serait con. Alors, parlons de gourde. N'oubliez pas de boire, c'est très important dans la vie de tous les jours. Ouais, merci du soutien. T'as des modes installés ou t'en fous de manière? J'ai quand même pas mal de modes installés. Tu peux voir la liste avec la commande point d'exclamation SSE mods. Donc je dis bien le S hein, dans mods hein, pour que les gens ne se trompent pas. J'ai installé beaucoup de mods. Et encore, j'en ai installé deux là aujourd'hui. C'est un plaisir. Et quel enfer! Lâchez-moi! Aucun mode graphique parce que bah mon PC ne fera pas tourner le stream pour ça. On fait avec. Je vais juste descendre mon cheval là pour voir un peu. Ah, j'aurais aimé le full vanilla, mais j'ai un peu trop fait. J'aime bien changer un peu à chaque fois que je joue à Skyrim. Ça évite de se faire chier. Il est rempli. Allez. Oh, Henrikbourg, c'est là-bas du coup. En effet, il y en a pas mal. Ouais, et il y en a beaucoup que faut que je cancel dans le lot. Il y a certains qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent pas forcément. Enfin, qui ne fonctionnent plus. Enfin, un enfer. C'est Skyrim modé, hein. C'est comme n'importe quel jeu modé, c'est long. Mais du coup, ouais, Skyrim modé, parce que plaisir. Et du coup, c'est une nouvelle partie. Du coup, nouvelle partie. Parce que la vie fait que ça se passe pas forcément comme prévu et. Merde. Ok, j'ai un ennemi derrière. Héroïquebourg, c'est là-bas. Faut pas que j'oublie de chasser aussi de temps en temps. J'ai eu. Raté. Là, il a bouclé au dernier moment. Ouais. Ouais. Bon. Chasse à l'ancienne. Compliqué. Hein. Et mon cheval qui est asthmatique là, c'est un enfer. J'ai pas eu. What? Enfin, elle est passée où la flèche? Un peu là-haut. Non mais quel enfer. Ouais mais complètement hein. La bonne dichotomie, on connaît. Allez, allez le loup. J'ai attiré juste le loup. Quoi, sérieux? Oh putain. Le cheval, ça m'en fout. Le cheval, c'est trop génial, ouais. C'est impossible de tirer à l'arc, hein, quand t'es sur un cheval. Ça m'a saoulé. Quel enfer. Bon. Henrikbourg, du coup. Ah, il faut pas que j'oublie que le cheval peut crever. Ah, tout ça pour ça, quoi. Quel enfer. Du coup, à Rorikbourg, il y a quelque chose. Il y a les Alikia. Du coup, c'est des soldats rouge-garde. Enfin, des soldats rouge-garde aussi. Des rouge-garde qui cherchent quelqu'un à Blancherive. Et on va aller la livrer indirectement. Hein. Je vais juste les faire sortir de chez eux. Je vais les assassiner devant le bordel. Quel plaisir. Parce que plaisir, attendez. Attendez, Tendo m'a envoyé une vidéo, j'ai peur. Que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre quelque part. Ah ouais, toi tu travailles, hein. Putain. Oh, tu travailles bien. Attendez. Je coupe mon micro juste pour être sûr que
que Tendo me file pas un truc qui est potentiellement tendancieux. Ne vous éloignez pas trop. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux pas le montrer, c'est dommage. Là, on va pas m'entendre. En fait... Mais il est partout. Voilà. Coucou à toi, Tendo, coucou à toi. Oh bordel. Quel enfer. Par contre, j'ai vu, je suis pas dans la catégorie Skyrim, c'est de la merde. On va changer ça. Spécial édition, mon œil. Skyrim, let's go. J'ai le cul de... d'être mal catégorisé parce que sur Twitch, ils mettent 36 000 jeux, mais les gens, ils gardent qu'une catégorie, finalement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai vu la femme que vous cherchez. Vraiment ? Où ça ? Parlez. Est-ce que j'y gagne si je vous le dis ? Si cela vous convient. Ça suffit, dites-moi où elle se trouve. Nous ne pouvons pas l'arrêter nous-mêmes, pas sans attirer l'attention. Vous devez nous l'amener. Guidez-la jusqu'aux écuries de Blancherive, à l'extérieur de la ville. Nous vous y attendrons. Mmh. Ouais. Si vous avez besoin de manger ou d'une chambre, vous êtes au bon endroit. Mec, la calvitie, c'est une putain de piste de dépôt d'avion, là. Désolé. Je voulais juste faire une blague sur la calvoche. Oui, je suis pas bien aujourd'hui. Tout le plus de monde qu'on l'imagine. Oui, merde. Mais. Alors. La jument pavoisée. On va pas la livrer, bien sûr. Hein. Je vais aller les défoncer. Les Aïkia. Je veux juste les humilier un maximum en mode. Eh les mecs, j'ai trouvé votre cible. Blé. Tendo est partout. Tendo est partout. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas hein, si il y a beaucoup de monde dans le chat, mais durant le stream d'hier, Aelcaro a voulu composer quelque chose, et moi je l'ai sorti. Ouais, vu qu'on est sur Crash, vas-y, compose-tu Crash. Bah, je vais vous faire écouter ça vite fait. Du coup, pour la VOD, c'est gratos. Peut-être pas prêt. Hein. Je ferme ma gueule tout le long. Ah si. Ouais, j'ai tendance à l'oublier aussi, Oxyde, hein, à quel point il est chaud. On est d'accord. On est d'accord. Tu es de retour. Wow. Je sais que c'est peu de choses, mais si quelque chose te plaît, serre-toi. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Oh, mais t'es gentil. Nous sommes semblables, vous et moi. Je suis heureuse d'avoir fait votre rencontre. Alors, merci, mais évite de me draguer devant ma gosse. Genre... Ah, ça se fait pas trop ici, hein. Oh, tiens, j'ai un peu de sang sur mon... Ah mais imagine qu'il a fait ça en une soirée, qu'il a mixé le tout et tout le bordel, alors qu'il voulait faire bien plus. Et je lui ai demandé, ouais, t'es chaud pour faire une version longue? Il a dit, ah, complètement chaud. Voilà. Voilà, voilà. Je viens de ranimer le feu. Non, mais c'est un monstre. Hein. Et c'est vraiment un sacré monstre, moi, ici. Des nouvelles des Alikir? Mais je veux pas mentir! Bon. Mm-hmm. C'était un plaisir. Ah putain. Quoi ? Comment ? Je croyais qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans la ville. Mais où vais-je aller ? Je ne peux pas fuir éternellement. Après tout ce que j'ai traversé, je dois encore prendre la fuite. Si vous pensez que c'est vraiment le seul moyen, je vous crois. Ne perdons pas de temps. Ah, si ça foire ! Je vais tellement cancel le truc. Je vais revenir à une sauvegarde antérieure. Oui.
Ah, le roi pigeon va stream actuellement. N'hésitez pas, j'imagine qu'il va stream du Smash ce soir encore. On ira sûrement le raid après. Et quelle heure là? Pas l'heure. Ah oh, putain, il est 20h quasiment. Hâte d'entendre ça. On est d'accord, on est d'accord. Ouais, c'est la même. Du coup, je vais totalement et honteusement la voler. Je lui ai demandé, hein, bien sûr. C'est pas vraiment du coup. Du coup. Pour un prochain best-of. Pour sûrement le premier best-of qu'il y aura de l'année prochaine. Faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. J'ai un peu la flemme pour l'instant. Bon. On boit un peu. Mange du fromage. Pas trop RP là-dessus. Descends par là, hein. J'en ai vraiment rien à foutre maintenant. Elle a vendu. Les autres maisons nobles ont découvert sa trahison et elle a dû s'enfuir. Ils veulent que nous la ramenions vivante. La résistance contre le domaine est active à l'enclume. Ils veulent que justice soit faite. Ah oui, ok. Comme on dit dans le jargon. Bon, très bien. Voilà. Des nouvelles des Alikir ? Mensonge ! Comment avez-vous pu me faire ça ? Je voulais pas prendre le risque de ne pas vous voir. C'est un jeu risqué. Mais maintenant que le problème de Kematu est réglé, tous ces serpents devraient retourner dans leur trou en rampant. Je peux reprendre le cours de ma vie maintenant. Et c'est à vous que je le dois. Bah voilà ! Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Merci ! Comment avez-vous osé ? J'ai tué ton... Il est passé où le corps ? Les trois chevaux là, calmez-vous, hein. Jenasa, t'as bouffé le corps ? Mais... T'es un... Oui. Poussière, tu redeviendras poussière. Par contre, c'est pas vénère à l'armée. Par contre, Sadia, viens voir. Bonjour. Ok, moi je vais rentrer. Hein. Je vais poser ce que j'ai récupéré. Putain, le bonjour qui m'a... qui m'a un peu surpris. Bah écoutez... Du coup, j'ai récupéré quand même Iron Scimitar. Scimitar. Imagine Scimitar. Quel plaisir. Ok. Ok, ok. Bien le bonjour, camarade. Qu'est-ce qui vous amène à Blanche Rive ? T'as tout rattrapé ? Techniquement, oui. Mais pas tout, bien sûr. Parce que... Bon, je récupère des choses que j'ai pas récupérées, notamment la grippe d'or du coup qui était sur le corps de... Enfin, ce qui est sur le... qui est dans les poches de l'elfe des bois qui est attaché encore dans les tertres. Que j'ai pas libéré du coup. Que j'ai un peu glitch à travers le mur. J'ai du coup cette quête que j'ai pas faite, celle de la griffe d'or. J'ai des trucs encore du style, j'ai pas récupéré tous les bouquins que j'avais récup. J'en faisais pas mal. Triste, c'est chier. Bon. J'ai pas récupéré mes niveaux de maîtrise. Du coup, toujours niveau 1. Alors j'étais niveau 12. Plaisir. Donc bon, on fait avec. De toute façon, on peut pas faire autrement. Ne vous éloignez pas trop. Ouais bah par contre toi tu vas commencer à me faire peur. Hein. Vous éloignez pas trop. Laisse-moi faire ma vie, hein, je suis aux toilettes. Ah oui, faut que je vende ça. Hop. Oui. Elle va sur chez Nato, tu vas voir flou. Ah mais complètement, là elle me fait déjà peur. Oui et non, bon, entre Lydia et elle, Lydia qui me dit de toutes les 5 secondes, je suis sur vos talons. Salut. Papa. Coucou toi. Waouh. Merci. Voilà.
Tu vas manger ça, ma gamine. Tu vas manger ça. Ouais, ils sont chauds sur mes côtes là. Ça me fait peur, je suis pas habitué. C'est toujours un plaisir de rencontrer des compatriotes. N'empêche, personne va dire quoi que ce soit sur le fait que j'ai abattu un gars de sang-froid. Près de l'écurie. Non. Ok. Hors dossier l'épisode 556, hein, écoutez. Sauvegarde. Bonjour. Mon époux est mort. Rien ne sera jamais plus pareil. C'est Nazim, ton époux. J'avais oublié ce principe. Pareil qu'il est un peu mort. Bah écoute, hein, il va pas souvent au quartier des nuées, c'est pas ma faute. Petite garde, non. Oula, non. Pardon. J'ai glissé. Oh, c'est vrai que ton armure, elle est badass quand même. Allez, maison Gristoison pour la quête où il faudra libérer leur fils. Mère, qu'est-ce que cela signifie? Qui avez-vous fait entrer chez nous? Putain, il était caché derrière le pilier depuis tout ce temps. Et que voulez-vous? Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas un espion des guerriers nés? C'était stupide. Nous ne pouvons nous fier à personne. Hein? Je n'en peux plus. Oui. Pas d'armes, je vous en prie. Discutons simplement. Très bien, mère. Vous n'êtes pas. Alors vous êtes là pour m'aider. Je ne sais pas ce qui se passe au juste. Frère, Thorald, il se battait pour les sombrages et il a disparu. Tout le monde part du principe qu'il est mort. Mais il est vivant. J'irai bien fouiller leur maison pour dénicher une preuve. Mais ils en ont après moi également. Je serai capturé, et alors, nous ne saurions jamais ce qui lui est arrivé. Alors il faut que quelqu'un trouve cette preuve pour moi. Je vais y aller. Je préférerais que comme vous ne disiez à personne que vous m'avez vu ici. Bon, t'inquiète. J'y vais à poil, hein. Sapristi, regardez-moi ça. Comme c'est embarrassant. Vous allez attraper froid. Vous devriez au moins couvrir vos parties intimes. Elles sont couvertes. T'as vu, j'ai une lanterne. Du coup, j'ai chaud aux couilles. Fais pas chier. Putain. Attendez, j'étais obligé de remettre parce que le problème c'est qu'en utilisant la molette, ça rend fou le jeu. Ah oui, attends, je suis pas discret. Mais quel beau. Attends. Eh hey, oh, ça me dit de cacher mes parties intimes. Bah écoutez, au moins. Au moins j'aère un peu. Ah, la porte arrière qui était complètement ouverte. Pas de blague, pas de blague. Vous pourriez me laisser un peu d'intimité? Sortez d'ici! Je ne vous le répéterai pas. Sors! Ah, la porte est ouverte! Bon, quoi à faire? On va se la jouer discret, j'attends le buisson 4 demain matin. Mais t'inquiète, Bipix, t'inquiète. Bonne soirée à toi, bonne nuit et bon courage demain, tout ça, tout ça. Tu vas tout déchirer. Papa, c'est qui l'homme dans le buisson? Chut, trop... Et actuellement mon bide. Vous avez très froid. Tu
fait discret. J'ai pas réussi à m'habiller. Ah là là! Imagine un jour tu rentres chez toi, y'a un mec en slip qui fout dans tes armoires. Ah bah je trouverais ça normal hein, écoute. On habite dans les Vosges hein, y'a rien de plus surprenant. Y'a rien de moins surprenant qu'un mec qui se balade en slip chez toi et qui fout dans tes tiroirs quoi. Bon après si tu le connais pas, effectivement là ça pose problème. C'est surtout dans ce cas de figure que ça pose problème. Putain de merde. Et ouvre! Eh! On va pas taper le poulet, on va pas taper le poulet. C'est limite, limite. Tout le monde a eu son regard, IRL. Et généralement, c'est un regard qui a dit baisse les yeux. Bon, hein, c'est pas vous me cassez les couilles, mais. Non, j'essaie pas de rentrer. Sachant que j'ai pas la pause activée. Vous avez pas la pause activée. Oui. Vous avez trouvé quelque chose? Pas la pause activée, du coup tout se passe en temps réel. Je le savais. Montrez-la-moi, s'il vous plaît. Les Talmor. Par les neufs, c'est pire que ce que je pensais. Bien, le donjon de Norgay. Nous savons maintenant où frapper. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon frère. Acceptez-vous de vous joindre à nous? Nous ne pouvons pas laisser Thorald aux mains de ces monstres. Ah, bien sûr. Laissez-moi voir si je peux le ramener sans effusion de sang. Eh, hey, oh, hein. Un génocide par an. Je vais rassembler autant de monde que possible. Et je vous retrouverai devant le donjon de Norgay. J'ai bien dit génocide. Nous ne nous attarderons pas à l'intérieur. Je vais plus défoncer les Talmor. Je vous retrouverai là-bas. Nous sommes semblables. Je serai comme votre. Ouais, attends, je me rhabille. C'est bon, j'ai pas ma cape. Allez-vous. Ah, je peux plus sortir, il m'a enfermé. Cours, à l'aide. Score. J'ai fait une quête, et on veut pas me laisser sortir. J'ai juste allé dormir vite fait chez moi. Monsieur Stante. Parlons de Stante. Je vais directement à l'auberge. Ils pourront remplir ma gourde, donc en vrai c'est très écolo-friendly ici. Dites-moi ce que vous voulez, ou asseyez-vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un. RP. Toi aussi, tu te balades nu dans les maisons des gens? Ah, c'était pas ta maison, ok. Oh la lame, la bourse est tombée dans ma poche. Bon, en vrai, ça me casse. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez bien entendu. Remplis ma gourde. Merci. À boire pour les assoiffés, à manger pour les affamés. Tarte. Pomme. Donne-moi tout ce que t'as cul. Oh, des sweet-rolls. Oh, la bonne cannelle des familles, là. C'est un plaisir. Ouais, je t'ai acheté 6 gourdes. Il n'y a pas de sous. Juste... Elle est arrangée dans les journées. Vache. Pas comme un pied. Alors. Bon. Y'a rien à cuire, par contre j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir. Putain. Au pire. Je vais rentrer chez moi directement. Attends, il est quelle heure? 3h de l'après-midi. Ça va? Ah putain, c'est le brouillard qui me fait. Salut gamin! C'est celui qui m'a dit dégagez, je veux un peu d'intimité si vous. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez.
Sinon, tout est avant. Regardez donc. Ah, alors. Code de feuille, non. Parce que. Ouh. Ouh, ça m'a venu pour. C'est vraiment plus pourquoi je suis venu en plus. Ah, ça c'est con. Revenez donc. Ouais, ouais, je reviendrai, je crois. Bon, cool. Oui. Quick option. Il y a Freddy. Vraiment froid. Voilà, ouais, allons-y, allons-y. Je vais voir pour crafter un truc, hein, parce que l'armure là. Pas fou. Je vais voir pour crafter ou acheter direct. Enfin, je suis fatigué, je suis assoiffé, je ne prétends pas être la meilleure. Oui, bah c'est la nouvelle partie du coup. Hein. Épée, casque. Complètement la nouvelle partie. Tout ce qu'il vous faut. Hein. Pas le choix, hein. On peut pas récupérer l'ancienne. Hein. Faut accepter. Même si ça fait mal au cul. La première fois, c'est pas. Putain, il me faut quoi aussi? Merde. J'ai dérapé. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si, si, j'ai ma gosse, j'ai l'autre. J'ai bien le nom. Le nom d'Idia, c'est bien l'autre, ouais. Si, j'ai récup. J'ai tout fait pour récup durant la première heure de stream. C'est un enfer d'ailleurs. Donc, ça, on a go de fer, 3 bandes de cul. Avez-vous rencontré ce qui se fait de mieux en matière d'armes? Est-ce que vous avez rencontré ce qui se fait de mieux de... Ouais, non. Tac, tac, tac. 3. Bande de cuir, 3. J'ai rattrapé à peu près toutes les conneries qui ont été faites à cause de la corruption de sauvegarde. Pas avec. En fait, non, j'ai pas retrouvé ce que j'avais et où j'étais exactement parce que, bon, c'est impossible hein, de tout faire en moins de 2 heures. Déjà, en moins de 4 heures, alors que j'en ai mis 8 pour faire ça, compliqué. Du coup, j'ai juste récupéré à peu près, on va dire, dans les grandes lignes, ce que j'ai pu récupérer pour stream et pour que le stream se fasse. Mais sinon, je fais ça en off. Voilà, je pique juste, du coup, ton ancienne tenue. Mais ça te va bien. Quoi? Non, attends. C'est tout. Oui, c'est tout. Mais attends. T'es en train de me dire qu'il y a tellement de brouillard qu'on peut même plus mettre la lanterne. Qu'est-ce qu'on fait? Yo Lydia. Alors du coup. Alors? En vrai, ça te va bien. Et au moins t'es protégé là. Oui. Manque juste des gants de fourrure et t'es tranquille. Non parce que bon, un bord de ciel, s'habiller. S'habiller en jupette, c'est pas une bonne idée. Hein. Je gèle un peu fortement. Tellement, où est l'autre? L'autre? Je parle de Lydia, bah, elle est à la maison. Elle fait la popote, elle garde la gamine. J'ai pas de gantelet de fourrure, lui. J'ai vendu. Sad. Bon, hein. On peut y aller maintenant. Que Lydia elle est là du coup. Que voulez-vous, madame? Oui, bah tu t'occupes de la gamine. Fais en sorte qu'elle soit saine et sauve, qu'elle mange et qu'elle fait pas du bordel. Madame. Et y a pas de souci. Ouais, honneur à vous, honneur. Pour le fromage. C'est pareil. Bon, on va dormir. Et let's go. Ah, let's go pour du coup la quête avec le fils Gristoison là qui s'est. Parce que, bah ils sont cons. Bord de ciel en bikini. T'as même pas idée à quel point t'es très proche de la réalité concernant le maudit sur Skyrim. C'est indécent. J'aime pas quand c'est pas lore friendly en vrai. Bon, après je dis ça, mais. Brett est trop méchante. Elle n'arrête pas de nous commander, Lars et moi. Je veux plus jouer avec elle. Chose que j'avais fait dans une dimension parallèle, je t'avais offert une épée en bois. Dès que j'ai la possibilité, je t'en offre une nouvelle, tu casses la gueule à la gamine. Et si son daron il a un problème, tu l'amènes. Les habitudes de guerre, viens, vous occupez.
Et mon enfant nous... Bah ouais. Attends, dans des temps comme ceux de bord de ciel, c'est une putain de qualité au recrutement pour une babysitter. Hein. Surtout quand c'est la fille du Dovahkiin. Honnêtement. Je veux dire, minimum, elle a bac plus 5 en... donne-lui une clé en acier, en vrai. Ah non, mais complètement. Pour la gamine... Ah, faut que j'installe le mode les gosses. Il y en a certains... Nous sommes semblables, vous et moi. Ouais, ouais, je suis pas sûr. T'es loin de la réalité, ma vieille. Alors, enfin, les mods sont pas compatibles avec la version... avec la première personne, c'est horrible. Bon, de toute façon, je pense que je dégagerai ce mode qui permet de voir la... Le stuff. Attends, je vais voir pour acheter un cheval. J'ai assez ? J'ai pas assez. Bon, bah... Vanessa, tu vas marcher, hein. Tu peux marcher jusqu'à où? Ah ouais! Attends, pour t'éviter des soucis, on va aller juste prendre la carriole pour un peu de chemin quand même. Sinon, ça va durer 6 ans le chemin et tu vas péter un câble. Où souhaitez-vous aller? Solitude. Montez et nous partirons. C'est dommage qu'on peut pas faire monter les followers sur notre cheval, enfin. C'est un truc que je regrette fortement. Cette belle ville est la capitale de bord de ciel. Mais vous savez déjà. Capitale de bord de ciel. J'ai pas le point de vue. Il est récompensé par une prime élevée. Donc ils s'en battent les couilles si c'est pas une prime élevée, quoi. Ouais, ouais, hein. On les connaît, hein, ces gens comme ça. Y aller à pied. Ah, je suis solidaire. C'est vrai que j'ai pas encore récupéré le cristal de Meridia. J'aurais pu le faire au passage, mais du coup, j'ai pas le cristal de Nord. Je l'aurai bientôt, je pense. Ouais, j'essaierai de rattraper les 10 levels que j'ai à rattraper. Et ouais, je me referai une petite base. Je fais pas les quêtes secondaires, j'essaierai un maximum d'éviter les quêtes secondaires. Ah mais du coup on peut voir qui regarde le live. Tu peux, t'as toujours pu voir en fait. T'as la liste des personnes présentes dans le chat sur le côté droit en haut à droite justement. T'as toujours pu voir. Mais je viens de le découvrir. Ah bah au mieux tard que jamais. Oh putain, c'est un bug de texture. Oh merde. Je vais peut-être voir pour couper un peu de bois. Un peu de bois mort. Si je dois faire un campement, j'ai pas envie de me retrouver dans la merde. C'est dit qui atterrit. Dommage que j'ai plus le modificateur de voix, je me serais amusé. Oula, ouais, il fait bien nuit là d'un coup. Ah, c'est des nobles. Vous pouvez dépouiller. Alors, à la base, quand j'ai dit... Bien essayé. Je ne vous le demanderai plus. Alors, ce seront vos dernières paroles. Alors, c'est pas... Je me fais pas dépouiller. Je dépouille. Vraiment dépouiller. Ce n'est pas le moment de me déranger. J'ai fait un long voyage et j'ai payé ces cadeaux beaucoup trop cher pour me permettre d'être en retard au mariage de Vittoria. Quoi? Non! Garde! Au secours! Vous n'auriez jamais dû venir ici. Arrêtez! Je me rends! Allez, le... Moi je m'occupe de lui. Pas d'elle. Donc... Il faut bien se faire un peu de moulin, le pauvre. Bah écoute, c'est un impérial.
Bah, c'est pas grave, on fera 50-50 si t'es heureuse. bon, allez, 70-30 plutôt. Hein. Et genre pour moi, le. Alors. Oh, ils avaient quoi? Ils avaient de la bonne moula là! Quel plaisir! Des vêtements raffinés, ça se vend bien ça. Ouais, c'est les impériaux, hein. J'ai moins de scrupules à défoncer de l'impérial en vrai. Bon, après, hein, ombrage, je pense. Ah, ouais. Ah oui, attends. Configuration mode, light. Normal, pas bright. Voilà, ah, c'est très bien. Il a un mariage, je m'étonne qu'il ait été. Bah ouais! Surtout que c'est. Le mariage est cocasse pour ceux qui ont joué à Skyrim en fait. On en parlera plus tard du mariage, hein. On en parlera plus tard. Je viens de m'arrêter. Et attends, il y a une chèvre. J'avais raté. Je l'ai pas eu. Elle a disparu. Elle a vraiment disparu. Bon, bon, on va se faire un petit campement parce qu'il fait nuit. Il fait froid. On commence à avoir soif. Bon. Exposition très froid. Ah ouais, par contre, j'ai vraiment froid là. Je suis un invité. Bah écoute, t'inquiète pas. Le mariage, il va avoir lieu et ça va être festif. tac tac tac, build a campfire. Voici le bel accent. Non, pas le placer. Je non. Peux vous aider? Non, tu peux pas m'aider. Personne. Quoi? Quel enfer. Alors, faire ça pour 12 heures. Voilà. Il va dormir un peu. Light. Et... 12 heures, c'est pas déconnant. Hein. On va pas faire vraiment 12 heures, on va se réveiller en pleine nuit. Du coup, là, j'ai fait des cauchemars. J'ai vu un gamin qui me scrutait et qui me demandait de... Il me demandait un peu d'intimité alors que moi-même, j'en avais besoin. Du coup, ouais. Et pas capable. Let's go. On voit que dalle. Juste boire en marchant. Toujours faire ça dans la vie. Gagne du temps. Un peu. Non mais le mariage de Victoria. Voilà. On va un peu dire le principe de. De bon. C'est légitime hein, d'interrompre un mariage et de se prendre un kilo sur la gueule. Bon, vais chercher du lait, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à toi, Blue Feline. Merci de passer des bécos, des bécos. Puis un plaisir, un plaisir. Et bon lait à toi. Faut pas oublier que je dois chasser aussi. Mais c'est pas vrai! C'est mauvais, là. Oh non. Vers là, mais je... Il l'a entendu vers là. Bon, passer par ce chemin du coup. Ouais, ça a l'air d'être le chemin emprunté. Par contre, je me les gèle comme pas possible, je crois. Ah non, ça va. Ça va, c'est plutôt honnête. Ouais, je peux plus. Pareil. Premier degré, j'ai sursauté. Ah, Skyrim peut être comme ça. Et encore, dis-toi qu'il y a un mode qui fait en sorte que la nuit peut être attaqué par des créatures, du coup, spectrales, parce que, bah, en fait, tu perds en santé mentale, quoi. Et ça, c'est terrifiant de ce que j'ai pu voir. J'ai préféré éviter. Mais bon, hein, c'est pas ça, j'ai envie de jouer au jeu, pas de mourir de peur à chaque couloir. Très bien. Entre dure chute. La chute elle va être dure là si je casse la gueule. On sauvegarde. Lapin.
et... Si je l'ai eu. J'ai tenté. J'ai gaspillé toutes mes flèches avec ces conneries. J'allais dire, putain, je suis pieds nus. Qu'est-ce que tu fous là, le sombrage? Je vais pas t'aider, hein. Je me demande s'il y a... Par contre, je vais chercher. Oh putain. Ah ouais, par contre, c'est un... Ah, j'ai du poison. Oui, bah je suis en train de t'aider, hein. Je vais te forger une nouvelle arme, toi. Backflip. Et de la viande de Horker, ça nourrit bien. Honnêtement, c'est un bon pari. Ah bah attends, il y a un mec là-bas. Si Salto est arrière au calme, on est d'accord. Yo. Agile le morse. Ah bah complètement, hein. De toute façon, quand t'es mort... Nous retrouverons Thorald. À part la réalité cadavérique, t'es tranquille. Tu deviens beaucoup plus flex d'un coup. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Tous les Talmor qui nous séparent de Thorald et faisons-le sortir vivant. Allons-y. On va massacrer du Talmor. Oh. Dommage que je l'ai pas mis plus cher. Ouah, ils vont tous te ramener là. Ici. Oh putain. Lui, il m'a vraiment fait peur pour mes dommages. Oh, je peux pas changer d'arme. Oh putain. Alors toi. Allez, les mots. Vous allez brûler. Eh ben écoutez, c'est sympa, hein. Par contre, comment ça fait que j'ai pas pu m'équiper là? Je comprends. Les chaussures. Vous avez brûlé. Ouais. Hey, faites un... Genre, j'ai pas touché. Bah oui. Okay. Va y prendre la flèche de ta vie, connard. Quoi? D'accord. On envoie les mignons casse-pipe, écoutez, hein. Alors non. Il est temps d'en finir. Arrêtez. Ah ouais, par contre, genre toute la fratrie au cul là. Pourquoi? Pas quoi. Oh la vache! Je voulais tenter un move, mais Janessa, elle a regardé le mur en mode... Donc ça a été compliqué. Ah. Ils sont vénères quand même, hein.
Et je suis en normal. Hein. One shot. Ah mais... Non, two shot pour le coup. Il m'a cramé avant et puis il m'a mis un coup de massue dans le crâne donc... Ouais. Ah oui, j'avais oublié que c'est bugué là. Voilà. Tire bien dessus. Hein. J'ai plus de flèches. Je vais péter une câble. Ah si, j'ai eu ça. Du coup, vu que je l'ai eu, honnêtement, on se garde. Je l'ai pas eu ? Oui. On défonce le mage. Vous ne m'échapperez pas. Je vais vous déchiqueter. Ah mais je suis con. Putain, je suis le Dovahkiin. Ouais, par contre, je suis le Dovahkiin, mais prend vachement cher. Non, en vrai, ça. Bon, le Dovahkiin, il a du mal, hein. Le Dovahkiin, il a une extinction de voix, il revient. Je reviens dans un instant. J'arrive, les mecs, j'arrive. Allez. Je vais pas faire mon cri. Il est où? Le Dovahkiin fuit. Bah écoute, le Dovahkiin, ça n'y va. Je vous aurai. Le Dovahkiin, c'est un humain, il prend des coups. Il y en a eu des morts. Oui, c'est pas fini, hein, mais... Ah merde, il y a des poteaux qui sont morts aussi. Bon bah écoutez... Résistance au feu. Ah mais il se battait avec un bâton. Non, je pense. Dovahkiin, mais Dovahkiin à moitié, hein, putain. L'argent avant tout. Non, surtout les flèches avant tout. Ça va, Ulstein? Nous retrouverons Thorald, quoi qu'il arrive. En fait, je peux pas faire spawn mon pet, on va dire. On va retenter, parce que c'est chelou. Normalement, en fait, je peux être aidé par un fantôme, mais le fantôme, il a l'air d'être abonné absent. Enfin, c'est free quand il y a une pam, quoi. Ça veut rien dire. Bon. En vrai, je fais cette quête et je m'arrête là, je pense. Hein, parce que, mine de rien, je veux pas refaire 5 heures de live. Comment avez-vous fait ça ? Il veut pas, hein ? J'ai vraiment une extinction de voix en tant que Dovahkiin, là, actuellement. Hein ? Bon, bah tant pis, un déferlement. On est plus trois. T'as pas la... T'aurais pu ramener d'autres hommes. Hein. J'aurais pu ramener. Oh, putain. Qui est là? Votre mort. Hein? Ah oui, non, par contre. Il est temps d'en finir. Plutôt lui qui a le coup dans la mort. Les mages, j'ai vraiment en horreur. J'ai des couilles. Je les ai vraiment en horreur, les mages, parce qu'en fait, ils mettent très cher, hein, comme on a pu voir. Bien. Les vêtements, la gourde. Taille, sympa. On va se faire de la Yaoli.
Oh putain, une poupée de gosse. Il y a une gamine qui va être contente là. Papa, ça s'est bien passé ton massacre ? Oui, oui. J'ai fui. Mais j'ai récupéré cette peluche. Tiens, cadeau. Ah oui, on prend les bouquins. Hier. Ne vous éloignez pas trop. À la reine loup, direct. Hey ! Hey ! Pas de problème. Tellement menaçant, alors je me suis fait casser la gueule à l'instant. Quel enfer. Ouais, taches rouges sur la peluche, je peux pas. C'est des pigments, c'est pour faire de la couleur rouge, t'inquiète. Ne t'en fais pas. Hop. Et le facteur ? Ah mais ils se mettent devant aussi. Pardon. J'ai cru que j'avais tué. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh le massacre. Putain. Eh faut te calmer toi. Bon par contre. Putain et vraiment les soldats ici c'est... C'est parfait. Tous vénères là. Ah, attends. Ouvre ton sac. Je donne des trucs. J'ai les poches un peu trop remplies. On va vendre des choses. On va se faire de la moulaga. Pour se faire de la moulaga, il faut que tu gardes ça. Je peux mettre une capuche maintenant. Ça va être un plaisir. Non, pas la hache de bûcheron. Oh, la hache. On a besoin pour couper des trucs. Voilà. C'est vrai que je crois que je fasse des... Allons-y. Les mandouillères. C'est pratique les coffres. Ouais, bah les mules, hein, c'est comme dans tous les MMO. T'as toujours un second compte qui te permet de... transporter tout ce que t'as transporté sans trop t'emmerder. Oh, de la boue gratuite. Oh putain, ils ont le buff. Bon après, si tu as un plateau... dans une grotte, pardon, dans un donjon, bien chaud. Nous retrouverons Thorald, quoi qu'il arrive. Ouais, il est peut-être mort, mais au pire, c'est pas grave. Eh, oh, hein, dis-toi que l'espoir fait vivre. Depuis le temps qu'il est enfermé ici, je crois qu'il en a plus. Eh, tu vas te calmer, toi. Hein. C'est toi qui es dans mes pattes, là, oh. Cours. Alors, pique leur bière au passage. Pique leur pomme. T'as un mouchoir sur toi là pour. Non, t'en as pas. Oh merde! J'ai regardé par curiosité, moi je pensais pas que c'était. Ok. Qui est là? Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, bonjour. C'est ça que vous voulez, hein? Je vais se faire. Ah. Taper dans la poule. Non mais c'est pas vrai. Mais je tape pas dans la hitbox. Quoi tu meurs? Par contre. Pas ici? Pas ici. Ouais. Oh, l'épée elfique. Lui, il est vraiment revenu en mode hey, « Eh, tu faisais quoi là ?» Oh. Elle brille ton épée. Ouais. Toi, she said. Ça m'a fait peur. Ah ! Ouais, non, par contre, lui, je vais rien prendre de ce qu'il avait dedans. Les deux mains vides. Oh putain, ils ont sifflé toute la binouze. Viande s'est fait. Ouais, bon, viande cramée là pour le coup.
À point. C'est pas moi. Non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Là que je peux. Je vais essayer de faire. C'est. Yo. Voilà. Thorald. Frère. Est-ce vous? Je peux être cannibale? Oui, je peux. Je savais que je vous trouverais. Qu'est-ce que ça signifie? Je peux. Suite à une quête, je peux. Nous devons vous faire sortir d'ici. Allez, suivez-moi. Hein? C'est ça! Et que voulez-vous? Oui, c'est glauque, mais c'est possible. Tu peux être vampire, tu peux être loup-garou, tu peux être cannibale, tu peux vraiment te faire plaisir. 2011, hein. Tu as pris l'épée orc. T'as pris cette épée là. Et j'ai pas l'accent. Et vous, que faites-vous? Je n'aurais jamais pensé revoir un visage amical. Nous devons retourner en lieu sûr. Alors, t'as revu un visage. Allons-y. Filons d'ici le plus vite possible. Et que voulez-vous? Dépêchons-nous. Ah! Oh, rigolé ça. Merci le Zoibot. Ah, vous voilà. Bon. Je vais vous tuer. Qui est là? Au secours! Tac. Ouh, c'est ton imagination, Putain, il a fait un AVC. Oula. Quel plaisir. Dis-moi, Janessa. Faut ouvrir ton sac. Ah, faut que je t'en achète un. Parce que là, si je continue à remplir ton sac, ça va être un peu la merde. Ah, mais ça va, tu peux. Eh, oh, c'est bon, tu peux mettre des trucs dans ton. Je m'inquiétais, mais. L'arc de chasse, non. De ce que je sais, en fait, il y a un accès à la prison. Où justement, il y a des autres. Des autres sombrages captifs. Bim, bam, je suis trop grand en histoire de l'art, j'ai peut-être un 18-40, mais en histoire, je viens de recevoir un 20-30 alors que je pensais l'avoir raté. Bah, GG! C'est qui le champion? C'est toi le champion. Tu es le champion. Gros GG à toi. Je vais aller sauver les sombrages quand même captifs, hein, parce que ce serait con pour eux. Ouais, bon, voilà. Je ne peux pas vous. Mais pourquoi avoir risqué votre vie pour moi, un inconnu? C'est des notes de comment? Je sais que j'ai eu la même au collège, hein, au niveau notes. Après, c'est remis sur 20, mais c'est des notes générales. Après, sur 30, j'avoue que je pense pas en avoir eu. À ma connaissance, j'en ai pas eu. Mais ça me surprend pas. Et après, c'est en Belgique. Donc ils ont un système de notation complètement différent du nôtre, j'imagine, là-dessus. Bien sûr, j'aurais dû le savoir. Je ne peux sur pas 30, j'ai jamais eu non plus. Mais ça me surprend moyen, quoi. Abelstein ne sera sans doute pas en sécurité non plus. Notre meilleur espoir est de rejoindre les rangs des sombrages. Accepteriez-vous de me rendre un service? Dites à ma mère d'endurer le vent glacial de l'hiver, car il transporte les semences de l'été à venir. Elle saura ce que cela signifie. Alors, endurer les semences du vent glacial de l'hiver, car ça transporte le futur de demain. Ok. Non mais t'inquiète, Bipix, on connaît l'histoire de l'art. On a la même en France. Et pas de soucis. Bah, content pour toi. GG, gros GG. Juste aller sauver les autres, là, du coup. Tu sais que ça fait très ignorant, là, mais... GG à toi.
Et par là, je suis rentré. Putain, la prison, elle est où? Ah, non, c'était par là. Il y a une prison normalement. Mais attends. Par là qu'on va voir les vampires normalement. Alors c'est leur gros château là-bas. On fera ça bien plus tard. On chassera le vampire. Bien, bien. Oh, let's go. On va faire un tour. On va faire complètement un tour. On va juste faire un tour très rapide, hein, parce que... Quand je dis très rapide, c'est que je peux me faire buter à n'importe quel moment. Pense à la sauvegarde. Ouais, t'inquiète. Je pense à la sauvegarde. Il y a la sauvegarde rapide. Rien ici. Pas de vous ici. Du vent, on n'aime pas les intrus ici. Oui. Allez, fichez le camp. Oh, t'as la chance. Du vent, on n'aime pas les intrus ici. T'as de la chance. On y retournera un jour. On va s'amuser, on y retournera un jour. On va faire le ménage ici un jour. Ah, parcours ! Je vais de rouler les airs, c'est de faire un wow. Bon. On va conclure la quête là-dessus, je pense. Et le stream. Nous sommes semblables, vous et moi. Ouais, tu l'as dit 6 fois. Yo, pata! J'ai mangé un truc. Une boissie à 6 bouteilles de vin. Pas sûr que ça fonctionne comme ça dans la vie. Vraiment, vous l'avez sauvé. Quoi? Après tout ce que je donnerai plus tard. Je ne peux même pas le voir. Comment puis-je savoir que vous me dites bien la vérité et pas simplement ce que j'aimerais entendre? Il a dit qu'il fallait endurer les semences du vent glacial de l'hiver de demain pour peut-être un jour pouvoir combattre le froid de l'éternel oiseau. Car il transporte les semences de l'été à venir. Ouais, je crois que c'est ça. C'est bien, mon fils. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai. Pour l'instant, ça me suffit de savoir qu'il est en vie. Je peux trouver un peu de paix. Merci infiniment. Elle a dit paix. Vous m'avez rendu mon fils. J'ai demandé à Eorlund de forger ceci pour Thorald. Ce devait être un cadeau pour fêter son retour. C'est vrai. J'imagine qu'il ne pourra pas l'avoir. Vous n'avez qu'à le prendre. Nous pourrons toujours en fabriquer un autre pour le jour où la guerre prendra fin et où Thorald pourra rentrer à la maison. Okay. On la connaît. Tu as apporté quelque chose? Alors t'es perspicace, hein? Tu m'as apporté un cadeau? Oh bah tiens, tant qu'à faire. T'avais dit, tu te défends. C'est quoi pour la peine? T'as été une bonne gamine. Merci. Tu l'équipes, hein? Ta dague. Ah. Allez ma puce, comme je te l'ai dit. C'est la gamine t'embête. Elle est trop méchante. Voilà. Elle n'arrête pas de nous commander, Lars et moi. Je veux plus jouer avec elle. T'inquiète pas, tu peux jouer avec elle. Tu sais le jeu du couteau. Tu fais ça avec ta dague, tu lui montres et tu lui demandes de jouer en première. Papa. Et tu lui demandes d'aller de plus en plus vite. D'accord? Et si elle est un peu trop récalcitrante, pique son pote, elle risque de perdre un doigt si elle joue pas. D'accord? Allez, passe une bonne soirée. Dans 3 mois, je l'envoie face au dragon. J'ai des la gamine qui emmerde la mienne. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherie. Perdre l'année après. Jeter un œil.
Père de l'année. Alors, on va vendre des choses. Ouais, l'arc, il est classe. Ballonwood, Warbow. Ouah, les dégâts! C'est quasiment rien, mais on va la garder quand même au cas où. Ça peut le café. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Ah, elle se met déjà au travail, quoi. Passez devant. Faut que je mette une capuche maintenant. Ah, okay. Avez-vous rencontré mon père? Ouais, j'ai rencontré ton père, il m'a vendu ma maison. Et je lui casse la gueule. Yes. Parfait. Tac. Parfait. Il me faut quoi pour améliorer mon arc? Non, c'est pas ici, c'est là. Pierre de lune raffinée. Oh la merde. C'est pareil pour... Putain, j'en ai pas. Eh, dites, mademoiselle, vous avez pas de la pierre de lune raffinée? Protéger ou faire des dégâts? Oh. Eh bien, voilà. Oh. J'ai pas amélioré l'archerie en plus d'à côté. Ah bah tiens. Bah comme c'est pratique. Oh tiens l'archerie, j'ai glissé dedans. Du coup je suis fatigué, on va rentrer à la maison. Des trucs à vendre ou pas? Ouais, je vais vendre des trucs. Je rentre après le dodo et puis on arrête le stream là-dessus. Je pense que c'est tranquille. Oh putain. Hey, il est fermé aujourd'hui le magasin là? Ouais, vous pouvez juste me dire au pire. Ah il est 8h du mat. Ah oui c'est vrai qu'il bosse à 10. Le garde il m'a regardé pendant 2 heures devant le magasin en mode. Pouloulou pouloulou. Je peux vous aider? Tout est à vendre, absolument tout. Si j'avais une sœur, je la vendrais sur le champ. Si vous vendez. Voilà, j'allais dire, je veux bien t'acheter ou te vendre des trucs, mais si tu m'autorises pas à t'acheter ou te vendre des trucs, on va s'entendre. Oh, c'est plaisir. J'en garde un. Ah ouais, ça vend les sœurs comme ça. Bah écoute. C'est la crise, hein. Quel enfer. J'adore ce jeu. Non, on va vendre un robinet. Bon, The Worker, ça. Pas. Pas un marchand qui vient du nord. Bah non, il la vend. Y'a pas des bandolières là que je peux acheter au lieu de les craft? Ça me fait un peu chier, je t'avoue. T'as les flèches, mais tu te fais plaisir, mon cochon. Voilà, c'est bon. Revenez ça. Donc. Viens là, toi, je te file un sac. Hier, standard outfit. C'est les gens pleins de surprises. Je viens du nord indirectement, hein, tu vois. Enfin, pour certains, je suis du nord. C'est le problème. Du coup, je le prends un peu à cœur. C'est l'enfer. Ah, faut que j'arrête de dire ce mot. Mais il reste dans la tête. Oui. Non, je vais pas prendre ton épée de mort, tu la gardes. Non, tiens, c'est cadeau. J'en ai des livres là. Allons-y. Ça passe 11 ans. Ouais, ça va. Gardez donc. J'ai dit, nous, c'est pas les... On touche pas la fratrie, on touche seulement la cousinade. Quel enfer. Faut que j'arrête avec ce terme, bordel. Non, mais je fais pas de généralité, mais bon. Alors, j'ai des potes qui viennent du Nord. Il est tellement dans la tête, ce terme. Et l'acier, et les dorques. Devant. L'avant. Bah, par contre, j'étais prêt à te... Et toi? Parce que tout ce qui est légumes, hein, je les vends, je vais pas me casser les couilles à les cuire. Oh là, j'ai mon bide qui fait des bruits là. Je vais les manger bientôt. Et c'est mon vrai bide hein, pour le coup qui fait du bruit. N'oubliez pas, je vous ferai profiter des. Je vais pas acheter des trucs. Ou je ne mérite ouais, pas moi j'ai que des nom. Cousins. Ah!
Bienvenue à l'épicerie Bel et Thor. Oh, c'est quoi déjà celui-là? Vous êtes ici chez vous. Les lunes et les étoiles étaient dissimulées, ce qui rendait cette nuit calme particulièrement obscure. Les gardes de la ville s'étaient munis de torches pour effectuer leur... On fait avec ce qu'on a, hein. Je vous assure, bah, tant que faire, hein. Vous proposez ce que vous voulez. Tant qu'à Andrew, il y a un trou, hein, après tout. Pourquoi tu rebondis pas, hein? Parce que je suis pas une balle. Ouais. Mais l'homme qui vint frapper à la porte de ma chapelle n'était pas éclairé. J'ai appris plus tard que Morvar, Ikin, pouvait voir dans l'obscurité comme en plein jour. Un talent remarquable si l'on considérait que ses intérêts étaient exclusivement nocturnes. L'un de mes acolytes l'escorta jusqu'à moi, et du fait de son apparence, je crus tout d'abord qu'il avait besoin de sous. Il était pâle, tenait au palais. Son visage, qui avait dû être très beau, semblait avoir été malmené par une souffrance indicible. Link. Dans d'autres magasins, je vous assure. Nya 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 nya. Il était skip. Non. Putain. Oula. Tu sens que là le Dovahkiin il en peut déjà plus, hein. Attends, il a subi des traumas, hein. Dans une vie antérieure, il était quelqu'un de calme, de serein, de très en possession de ses moyens. Il m'a saoulé, donc je l'ai buté. Tout est à vendre. Oui, je le sais, tu l'as dit 6 fois. Il a été réduit au silence. Il aimait pas ma façon de lire, je crois. Bon, tant pis, écoute. Donc, l'histoire de la sang immortel, si c'est bien celle dont je me souviens, elle est assez cool. Non, je voulais pas tuer le gamin, ça. C'est faux. Donc je vais ranger. Ah, le cuir. Ta. Hylodon, c'est plutôt long, c'est des couilles. C'est bien, gamine, t'as pas vu papa traverser le... T'as pas vu papa être bloqué et traverser un peu les escaliers. Y'a pas de souci. Ouais, je rentre. Non, pas le cooking pot. J'ai besoin. Faut que je fasse la popote. Cerne. Ça. Ah, j'ai tout le truc à ranger. Allez, dans la table basse, on met tout le bouquin. J'ai la femme de chambre aragonienne par hasard. Non, je l'ai pas. Je sais, il est 21h. Ma montre qui me prévient. Eh, t'es un peu en retard sur ton planning là. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal, hein. C'est quoi? Oui. Quoi? Passez devant. Merci. C'est tout. Papa, il va dormir 4. Après, il va bouffer, il va manger, et il va s'arrêter là-dessus. Alors, laisser à l'extérieur, c'est pas pour rien. Bon. Voilà. On s'arrête là-dessus. On sauvegarde. On fait une vraie sauvegarde. Sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Let's go. Voilà. Allez. Bon. Quitte avec le triple Q. Bien sûr. Bon, bah, c'était un bon stream, hein, écoutez. Et j'ai pas dit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube.